Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la deuxième partie de mon défi broderie. J'ai presque terminé. Voilà, il me reste à faire des points arrière tout en bas sur les lettres. Ça va aller assez vite. Vous aurez une dernière vidéo assez rapide pour ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai terminé les points arrière sur les lettres. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah oui, j'ai terminé la bordure et j'ai terminé un dessin qui était, voilà, comme ça, comme une guirlande, voilà. Par contre, je me suis aperçue après que j'ai oublié de faire le cœur parce qu'il manque un cœur. Donc, je le ferai la prochaine fois avec les points arrière. Donc, un tout petit cœur comme ça. Mais alors, vraiment, mini. Donc, voilà, la prochaine fois, donc il restera le cœur et les points arrière. Et le lavage de la broderie. Je le ferai en même temps. Voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. Comme ça, on verra s'il y a eu des catastrophes ou pas. On va croiser les doigts. Bisous, ma fifi. En même temps, vous irez voir dans la communauté, j'ai mis un post tout à l'heure. Ça y est, j'ai lancé le salle de broderie. J'ai pas dit la salle broderie. Hein. Le salle de broderie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une broderie. Alors c'est une broderie que j'ai dessinée moi-même il y a quelques années. Dessiner de mes petites mains, voilà, c'est moi qui l'ai faite, j'en suis l'auteur. On va faire ça tous ensemble, enfin tous ceux qui vont s'y inscrire. Pour s'y inscrire, c'est sur Facebook. Vous allez dans la communauté, vous lisez le petit post que j'ai mis et il y aura le lien de l'événement. Et en même temps, vous allez vous inscrire sur le groupe. Comme ça, il y aura le suivi sur le groupe. Je ne sais pas si je vais ouvrir un deuxième groupe pour faire que le suivi de cet événement ou si on va faire que sur le groupe de... actuel. De toute façon, on n'est pas très très nombreuses dessus, donc il n'y a pas 100-200 postes par jour, donc on va s'y retrouver. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir un deuxième groupe pour ça. Je verrai à l'usage. Donc ce salle est fait en 6 mois. Excusez-moi, il sera fait en 6 mois, une étape par mois. Donc un mois, je crois que c'est assez bien pour faire une étape. Vous avez le choix sur votre toile, le choix sur la couleur de vos fils. J'impose rien, malgré que là, moi, le modèle, c'est un monochrome, hein, monochrome rouge, mais on fait ce qu'on veut. Voilà. Rien de spécial. Dans l'événement, je donne toutes les explications. La taille de la toile ou des différentes toiles. Si vous prenez de l'Aïda ou une toile en lin, voilà. Il y a les tailles des toiles que vous aurez besoin. Le nombre d'échevettes. Alors, en moyenne... c'est 12 échevettes qu'il va falloir, mais comme je dis, il vaut mieux en prendre un peu plus, au moins il n'y a pas de surprise, hein, Fifi. Je suis désolée, je suis fatiguée, mais je vais faire dodo après. Voilà, et puis de toute façon, si vous avez des questions, soit vous les posez dans la communauté, soit vous les posez ici sous la vidéo. Ou soit vous allez me les poser sur Facebook. Il n'y a aucun souci. Voilà.
Donc, ça démarre le 1er mars. Donc, le 1er mars, j'enverrai la première étape aux personnes qui se sont inscrites. Et donc, vous aurez un mois pour le faire. Donc, le 1er avril, j'enverrai la deuxième étape, le 1er mai, voilà, etc. On fait comme ça? T'es d'accord? Fifi est d'accord. Allez, je vous laisse visionner la petite vidéo et vous aurez la prochaine demain ou après-demain. Voilà. Elle sera beaucoup plus courte puisque là, je vous dis, il y aura vraiment beaucoup moins à faire. Hein, ça va aller beaucoup plus vite. Il reste que les petits points arrière et puis le cœur. Donc, et puis le lavage. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.